Comment se comporter durant un test du polygraphe? Le polygraphe est un instrument ultra sensible. N'importe quel bruit, distraction peuvent avoir des influences, ou peut avoir une influence sur les lectures du polygraphe. C'est la raison pour laquelle il faut être immobile, calme durant un test et répondre uniquement par oui ou non, de façon normale, aux questions qui sont posées durant le test du polygraphe. Et suivez les instructions du technicien. Pendant la phase de l'entretien, expliquez votre version en détail. Soyez honnête. Assurez-vous qu'aucune information n'est omise de votre déclaration. Ceci pourrait avoir des conséquences négatives pour le résultat final du test. Se souvenir d'une situation peut être émotionnel. Néanmoins, essayez de vous référer aux faits dans votre déclaration. Le test polygraphique peut être une excellente méthode, un excellent outil pour prouver votre innocence, aider le technicien à vous aider. En résumé, suivez les instructions du technicien, soyez factuel et surtout, soyez honnête. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre métier, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez! Souscrivez!